On reproduit assez fidèlement les sensations du tremplin parce qu'on a la vitesse face à nous et on peut vraiment se pencher en avant. On a l'impression que l'air nous retient, nous tient. On arrive à vraiment avancer vers l'avant comme on le fait en l'air. Donc ça ressemble assez précisément au tremplin. C'est vrai que les autres nations progressent. Et il faut aller chercher des choses à droite, à gauche, grappiller quelques centimètres et quelques secondes en ski de fond. Et voilà, ça passe par ça, par de la soufflerie, des nouveaux tissus pour les combinaisons de sauts, la technique irréprochable. Puis aussi, il faut savoir s'adapter à toutes les conditions possibles, quoi. Il faut qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il y ait du vent. Voilà, il faut être présent le jour J.